Salam les Royas, les Royates, les Royatiels, ceux qui ne s'identifient pas comme des Royas, les Royas hélicoptères de combat également. Aujourd'hui, je voudrais vous parler. Bah déjà, le Génération ne prend pas de S, mais ça, je pense que vous avez compris. C'est mon miniaturiste, il est un peu dyslexique, enfin bon, bref. Ouais, moi, je voudrais vous parler un peu de la société et de ce que je pense sur. Sur cette dernière, enfin cette dernière aussi, cette dernière, bon, vous avez compris l'écriture inclusive et tout. Ouais, moi je voudrais m'exprimer un peu sur ce qui se passe en ce moment et comment c'est en train de virer au grand n'importe quoi, à l'immense n'importe quoi, à méga n'importe quoi, super, hyper, n'importe quoi, n'importe. Bon, je vais vous dire, je vais être clair, parce que dans la vie il faut être clair. Le jour où Ah! Putain. Ah, c'est pas clair. Pourtant, je dis que c'est clair, mais oh, j'ai du progrès, hein. Ouh. Ah, c'est bon, j'ai les mots. Le jour où les girafes auront pas d'ailes, là, on pourra aller voir sur le Danube. Et là, on verra peut-être des oies. Ouais. Ça, j'en suis persuadé. Et ça, c'est le vrai message qu'il va falloir retenir pour cette année. Et même les années suivantes. Voilà. Mais plus sérieusement, en fait, je vais être cash avec vous parce que je chingale la campagne. Moi, je dis toujours des mots comme besogner la terre inféconde. Voilà. Je vais être franc, il n'y a personne que je n'aime pas. Et je crois que c'est ça, la société. Une société où on n'aime pas... Enfin, on a... Wouah! Wouh! Formulation sur... Une société où... En fait, on aime tout le monde. Vous voyez, où on n'aime pas personne. En sens inverse. Enfin, bon, vous avez compris l'idée, une société de paix, donc pas de guerre, enfin bon, de guerre, enfin, vous avez compris. Voilà, donc c'est ça, mon idéal. Il y a personne que je n'aime pas. Ah, si, peut-être la génération alpha quand même, enfin, casse bien les couilles avec leur skibidi, je sais pas quoi, là. Ça, on peut en parler longuement, mais, oui, ils font chier, je sais pas vous, mais... Ouais, là, comme dirait Michael Jackson également dans... Don't stop shooting les notes là. Ouais, non, attends, on va recentrer sur le sujet. La génération alpha, effectivement. Skibidi, Sigma, truc de je sais pas quoi, de ce genre de gens que tu vois sur Discord en mode. Voilà. Hein, on est bien d'accord. Ça me monte par-dessus la tête. C'est carrément au ciel. C'est dans l'espace. Non, vraiment, c'est nul. Ah non, ça j'aime pas. Voilà. Fallait que je vous le dise du coup. Si vous êtes contre tout ce qui est iPad Kid, génération alpha, hélas, la loi et même mes propres pensées m'interdisent de taper qui que ce soit, d'énerver via un commentaire qui que ce soit. Hélas, et oui, mais je au fond de moi, quand je vois les ravages des écrans sur les jeunes tels les sauterelles dans les champs au Kenya, ou en Somalie, enfin bon je sais plus, mais c'est pas le... ou au Mali même, sans le saut, s'il y a pas de... Allez, voilà, mais ça, en fait c'était en référence à l'eau, mais c'est une blague déjà utilisée et usitée par de nombreuses personnes antérieures à moi-même. Voilà, je voulais juste te dire que face à ça, j'ai envie de... J'ai envie de m'énerver des fois, hein. Voilà. Mais je le fais pas. Parce que, Hassoul. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est, la citation de tout à l'heure, et j'ajouterai même, si tu n'as pas de... Attends. Oh, la formulation, là, en sûr. Si tu n'as pas de suite sans caméra, alors il se peut que la chemise ne vienne pas en Russie. Et ça, je pense aussi que Internet ne l'oubliera pas. Voilà. Merci, tous de m'avoir écouté. J'espère que ça va bien aller, et que vous passez une très bonne journée. Mais je ne suis pas psychologue, donc j'en ai rien à battre. Sur ce, je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut.